Géraldine Maillet ne s'en cache plus. L'ancienne mannequin partage sa vie avec le journaliste Daniel Riolo, depuis quelques années déjà. L'écrivaine est une femme heureuse et comblée avec son amoureux. Le 17 mars 2021, Géraldine Maillet s'était, d'ailleurs, confiée à ce propos sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, dans laquelle elle intervient régulièrement. Alors qu'Emily lançait une bouteille à la mer pour retrouver l'homme qui avait fait battre son cœur le temps d'un trajet dans le métro. Cyril Hanouna avait été, quant à lui, interpellé par le témoignage exceptionnel de la réalisatrice. Géraldine Maillet avait raconté dans les moindres détails sa rencontre avec l'homme de sa vie, Daniel Riolo. Leur première approche avait été un coup de foudre absolu du côté de la femme de 49 ans. Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc. Un tremblement intérieur. Point. Virgule avait-elle expliqué. Malheureusement pour elle, le coup de foudre n'avait pas été réciproque tout de suite, en fait. Il ne m'avait pas vu. Et moi, je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle. Intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde. Depuis, les deux tourteurs au cool des jours heureux mais restent, cependant, très discrets sur leur vie privée. Une fois n'est pas coutume, Daniel Riolo a accepté de poser près de sa compagne qui s'est empressée de partager la jolie photo sur son compte Instagram. Ce 1er août, les internautes ont pu découvrir les deux amants côte à côte pour leur plus grand bonheur. Daniel Riolo a enfin pris son courage à deux mains. Le couple profite des vacances sous le soleil de Sicile, dans le village d'origine du passionné de football. Les abonnés de Géraldine Maillet ont rapidement réagi à ce tendre cliché. Dans les commentaires. Ah, ça fait plaisir de voir Daniel, bonnes vacances au plus pertinent des chroniqueurs de RMC. Monsieur Riolo, ah c'est cool de voir votre compagnon, vous êtes un très beau couple. Couple de l'année. Même Moundir a souligné cet événement exceptionnel. En fini, il pose lol. A-t-il écrit. Plus rien n'arrête les amoureux.